Nein. Assieds-toi par là. Tu as l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Je t'ai appelé afin qu'on discute de quelque chose de très important. Ah oui. Je t'écoute. Tu sais, ça fait déjà plus d'un an que ton mari, mon défunt frère, mon frère aîné est mort, laissant derrière deux filles et un garçon en ma charge. Je m'occupe de pendant tout ce temps. Et si tu dis Jean-Paul... Naï, je t'en prie. Pitié. Ne laisse pas partir Jean-Paul loin de nous. Je sais bien comment tu souffres pour prendre soin de mes enfants et moi. Je t'en prie. Ne fais pas ça. Écoute, Obiageli, assieds-toi, ne m'embarrasse pas, hein? S'il te plaît. Je ne dis rien de mal. Je dis juste que, je veux dire, je m'occupais d'eux et... je ne suis plus capable financièrement de continuer cela. Et le problème est que, je ne sais pas, je ne peux plus continuer à m'occuper de... Bon, je pense juste que, comme ces filles sont déjà à l'université, elles peuvent continuer. Mais Jean-Paul, qui est un homme, tu as laissé tomber les études. Et par là, pitié. Tu sais, il peut se lancer en affaires au lieu de... Ne le fais pas quitter l'école. Pitié. Le problème est qu'on ne peut plus continuer à payer ses écolages. Hein? Permets à Jean-Paul de se lancer en affaires. Tu sais, il peut retourner sur les bancs d'études après. Tu sais, comme ça, on peut prendre soin de ses petits-enfants et nous occuper aussi de la maison. C'est juste que ce n'est pas bien de parler du mal des Dubem. Mais le fait est que ton frère n'avait pas bien fait. Sérieusement, il avait très mal fait. Il savait... qu'il ne serait pas en mesure de me donner des enfants. Il savait qu'il en serait incapable, mais il a accepté de m'épouser. Écoute, n'aborde plus ce sujet, s'il te plaît. Non, Naï, laisse-moi dire la vérité. Je te comprends, mais ne parle plus de ça. Je ne savais pas que suite à l'accident qu'il avait connu quand il était enfant, il ne sera pas en mesure de me faire tomber enceinte. Hein? Écoute, essayons de ne plus parler de ça. Non, non, tu sais, non, parce que... laisse-moi te dire la vérité, laisse-moi te dire. De quelle vérité veux-tu parler encore? Ce qui doit arriver déjà arrivé. C'est d'ailleurs toi qui m'avais donné tous ces enfants. Tous ces enfants viennent de toi. Hein? Il avait très mal fait. Je sais. Mais tu sais, ce que je dis même, c'est que je veux construire ma propre vie. Je veux avoir ma propre épouse, tu sais, et continuer ma vie. Parce que ces enfants, mon frère les a mis au monde pour garder son nom. Ils portent son nom. Hein? Moi, je n'ai pas payé ta dot. Tu vois, je n'ai pas payé ta dot. Mon frère a payé ta dot. Donc, les enfants sont pour lui. Ils portent son nom. Écoute, Naï, même si c'est le cas, ils sont toujours tes enfants. Ouais, sur le plan traditionnel, ils sont mes enfants. Mais en dehors de ça, ils ne le sont pas. Tu vois? Oui, maman, tu nous as appelés. J'espère que tout va bien. Je voulais juste vous informer que votre oncle s'est décidé d'aller épouser une femme. Hé, hey, mais vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. À propos, il aura sa propre famille. Je l'ai vu lorsque je retournais de l'université. Ça c'est bien. Pourquoi vous me regardez comme si c'était moi qui devais prendre une décision? Peu importe, c'est une très bonne idée. Mais je ne vois vraiment pas en quoi est-ce que ça me regarde. Maman, j'ai faim, s'il te plaît. J'ai vraiment très faim, j'ai besoin de manger. Tout ce qui te concerne, c'est la bouffe. Je ne sais pas si tu arrives aussi à nourrir ton cerveau. Hein? Tu ne sais pas que s'il épouse cette femme, nous n'aurons plus de l'importance à ses yeux. Tu vas arrêter les études. Tu ne le sais pas. C'est vrai, maman. Tu as raison. C'est vrai, maman. Mais c'est d'accord, ok. Ah, pardon. Bah, approchez, je veux dire quelque chose. Ce qui est fait est fait. Ok. Je vais saisir cette opportunité pour vous faire une révélation. Votre oncle.
c'est lui votre vrai père. Hein? Maman, s'il te plaît, arrête un peu avec cette blague. Maman, c'est quelle blague ça? Comment? Mais maman, comment peux-tu dire une telle chose? Je connaissais bien notre père bien avant qu'il ne puisse mourir. Et comment peux-tu nous dire que notre oncle est notre père biologique? Comment? Explique-nous ça, maman. Bien. Je vous raconterai cette histoire un autre jour. Non, ça devient une longue histoire maintenant. Maman, tu ferais mieux de tout nous raconter là tout de suite, hein, pardon. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu sais que je ne suis pas forte en devinette. Attends un peu. On dirait que tu as eu un jackpot. Ah non, t'inquiète, loin de là. Et alors, qu'est-ce que c'est? Allez, gagne du temps. Je suis déjà en retard pour le cours. Mon petit ami m'a demandé en mariage. Quoi? Es-tu sérieuse? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends un peu, Jenny. C'est de ces vieux partenaires que tu as l'habitude de parler, qui t'arrosent à tout temps. Ma. Je l'aime réellement. Je sais que c'est un vieux homme, mais c'est un bon gars. Désolée, ma chérie. Je vois que vous vous aimez bien. Oui, tu sais que je serai la première à refuser ce mariage, mais ma chérie, je te jure, c'est un très bon homme, avec un bon cœur, un très grand cœur. Non, mon mari est très merveilleux. Je ne voudrais pas le perdre. Hein? Mon ami est enivré d'amour. Et qu'en est-il de Moti? Épargne-moi de ça. Il circule partout, non? Comme un oiseau. Il ne sait que raconter ceci, cela, partout où il s'en va. C'est vraiment un mal à la tête. Et s'il te plaît, oublie-le. T'inquiète, hein? On se verra le soir, hein? Comme ça, on va en parler. Mon amie est tombée amoureuse. Je te jure. Hey, oh. Mais attends. Non, viens d'abord voir. Regarde. Attends un peu. C'est de ces gars que tu parlais. C'est lui, mon Mais il n'est pas aussi vieux que ça. Non, je t'avais dit que c'était un vieux, non? Ta copine est amoureuse. Oui, oh. N'est-ce pas que c'est mon oncle qui est sur la photo? Que Dieu le pardonne. Bon, est-ce que ça va? Je n'ai jamais su qui c'est de lui qu'elle parlait. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Mais il est mignon. Il est vraiment très beau. On se reverra plus tard, ok? Prends bien soin de toi. Je te jure, ma copine, d'accord. Sir Thompson. Le monde ne cessera de nous étonner. De nous étonner? De quoi parles-tu? Est-ce que tu te rappelles d'une de mes collègues? Jenny. Jenny Fanon, celle qui a une grande taille. Oh, je me suis rappelée. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Rien. Sache juste qu'il y a le feu sur la montagne. Et c'est grave. Oui, oh. Dans notre famille, c'est juste terrible. Attends. Tu me rends confuse maintenant. Arrête de blaguer. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Écoute, je ne suis pas en train de blaguer. C'est elle bel et bien la fille que l'oncle est allé fiancer. C'est Jenny. Notre directeur de communication? Oui. Comment tu la connais? Oncle m'a parlé de quelque chose de la sorte. Comment sais-tu que c'est elle qu'il veut épouser? Elle m'en a parlé. En fait, elle m'a même montré une photo qu'ils ont prise tous les deux. Oui. C'est là que j'ai su que son fiancé, le mari en devenir, et mon oncle. C'est terrible. Alors comment allons-nous le gérer? Ma sœur, je ne sais pas où. Je suis juste restée sidérée, ne sachant pas que l'homme en question, c'est lui
qui dépensait de l'argent sur elle était mon oncle. Ma sœur, je n'ai rien à faire. Oh. Nous devons juste nous préparer pour cet événement. La guerre? Avec qui? Vraiment, tu es sûre? Non, 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 arrête. On ne peut pas faire ça, s'il te plaît. Nous devons juste nous préparer, cherchons comment aborder ce sujet. Je t'ai entendu dire qu'elle est scorpion. Oui, oh. C'est vrai, elle est même pire que ça. Elle n'est pas du tout sérieuse, s'il te plaît, elle ne peut pas entrer dans notre famille. Sans effet. Hey, ok, pas de problème, hein. On en parlera encore avec plus de détails quand je te verrai. Franchement, ça ne marchera pas. Hey, non, ce n'est pas possible, non, pas elle. En aucun jamais. Non, 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 non. Mais, c'est ça le problème. Franchement. Moi, je ne comprends plus rien. J'ai été entendue. Je sais quoi faire. Ok. Je te fais confiance. Mais maman... Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Prends ceci. Applique-les dans tes parties intimes. Et tu mettras le reste dans ta nourriture. Va. Merci. Merci. Ok, pars, il n'y a pas de problème. Grand sage, je viendrai vous voir une fois que ce sera fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, oh. Tu me demandais que s'est-il passé hier. Tu sais que hier là, dès que je suis rentré, j'étais tellement fatigué. Et quand j'ai fini de manger, j'ai dormi immédiatement. Je ne sais même pas comment je suis rentré dans ma chambre, seul Dieu sait. Naito aussi. Ouais. Ah. T'inquiète pas, je vais toujours commencer à réserver pour toi de la bonne viande. Je te crois. Ah. Honnêtement, ce dîner était très délicieux, hein? Quand j'ai fini de le manger, ça m'a ramené à une autre époque. Je me suis rappelé de l'époque de ma mère, comment elle préparait. Ça dégageait une odeur agréable. C'était délicieux. Laisse-moi te dire, ce riz au gras que...
tu as préparée? Celle que j'avais préparée? Oui, s'il te plaît, va me servir. Celui d'hier a déjà fait son travail. Je perçois déjà son odeur. Toi et la bouffe. S'il te plaît, délicieux. Ok, laisse-moi te l'apporter. Je ne savais pas que ça t'avait plu. Sinon, j'allais garder beaucoup pour toi. C'est bien préparé. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, s'il te plaît, vraiment délicieux. Laissez-moi en profiter. À cause de ta cuisine, je ne vais pas te laisser. Jamais. Mais voilà, Naï. Oh. Son odeur tourmente déjà mon esprit. Si seulement je peux manger ce riz chaque jour. Tu commences à dégratter la tête. Je ne sais pas ce que tu mets dans ta nourriture. Ce riz, c'est parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle de la bonne cuisine. Je l'avoue. Tu sais, désormais, je ne vais que manger ta nourriture. Je ne vais plus manger dehors. Hein. Peux-tu imaginer quand tu vas là-bas, ils vont préparer. Tu sais, un jour, ils vont mettre du sucre dans la sauce de bitalive pour quelqu'un de manger. Donc, tu essaies de me dire que tu continues toujours à voir d'autres femmes après tout ce que je fais pour toi? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peut-être je n'ai pas bien parlé. Je te promets, je ne vais plus visiter aucune d'entre elles. Désormais, c'est seulement ta nourriture que je vais manger. Toi-même, tu sais, non? Déjà ce matin, tu m'as déjà servi du riz au gras. Ça, je te le promets. Ok, tu sais quoi? Je vais me préparer pour aller demander ta main. Ouais. Je dois t'épouser. Je dois le faire légalement. Je te promets. Avec un tel repas, mais il y a quoi dehors? Si je ne t'épouse pas, alors à qui je vais épouser? Tu veux prendre un peu? J'ai déjà mangé. C'est bien préparé, bien pimenté. Maman, je remercie Dieu maintenant que tous soyons rentrés ici. Mon fils, je ne sais comment exprimer ma joie. Les gens ne s'imaginaient pas qu'un jour vous serez en mesure de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, voyez-moi comment vous avez grandi. Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur. Maman, je voulais également clarifier quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je vais honorer la mémoire de mon père. Je ne vais plus traiter nos colons comme mon père. Je préfère m'adresser à lui en tant que simple oncle, comme j'avais l'habitude de le faire. Oui, maman. C'est aussi ma décision. Sinon, des dades de tout le temps doit s'arrêter. Oh, c'est quoi cette histoire? Je n'oublierai jamais ce que la date du Rome nous avait fait. Si ce n'était pas lui... Si ce n'était pas lui, quoi serait? Nous n'avons quand même pas été créés par cet homme. Quelqu'un nous aurait aidés, c'est évident. C'est ce que tu trouves vraiment à me dire? Maman, qu'est-ce que tu as à dire? Mais que veux-tu que je dise? Ils ont décidé celle. J'ai dû vous dire la vérité quand vous étiez encore trop jeune. Je l'ai fait au moment où je m'étais rendu compte que vous étiez en mesure de comprendre les choses. Mais maintenant, vous êtes assez âgé. La décision vous revient. Si vous voulez l'appeler papa, c'est bon. Sinon... Maman, ce n'est pas normal. Ça ne sera pas du tout facile. Eh oh. Toute la famille est présente ici. Que se passe-t-il? Regarde mon ange. Viens. No Colonta, ou je ne sais pas comment on t'appelle. Si un jour je te vois encore à côté de ma mère, je vais te couper la tête, tu vas pas comprendre. Hein. Non, c'est bien moi qui l'ai dit. Que se passe-t-il? Mon fils, pourquoi tu te comportes comme ça? Eh bien, qui est ton fils ici? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Écoute, je suis maintenant un homme adulte. Je suis parfaitement conscient de mes décisions. Alors quoi qu'il arrive, ne m'appelle plus jamais ton fils, ok? Que se passe-t-il ici? Obiageli? Que se passe-t-il? Quel Obiageli? Tu viens de les entendre parler. S'il décide de t'appeler papa, c'est bon. S'il refuse, en quoi ça me regarde? Qu'est-ce qui justifie ce changement soudain et attitude? Après avoir dépensé tout mon argent, gagné la sueur de mon front pour votre éducation, c'est comme ça que vous me remerciez?
Que se passe-t-il? C'est un plan ou quoi? Mais dites-moi, c'est quelque chose que vous avez planifié? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui est de si difficile pour comprendre? Ils ont pris seule leur décision, je ne suis pas impliquée. Hein? Pars seulement. Moi ou bien Gelly? Pars! Mais qu'est-ce qui justifie ceci? Je me rappelle que je te demande souvent que je vais t'épouser. Laisse-moi aller payer ta dot, mais tu refuses toujours. Tu continues de le reporter. Donc c'est ce que tu me réserves, c'est ça? Oh non! Papa, ne me mêle pas, s'il te plaît. Je refuse. Je ne sais rien de tout, ça, s'il te plaît. Moi, si je te gifle là, tu vas pas comprendre. Tu vas vite fermer ta bouche là. Vas-y, je vais te faire du mal. Vas-y seulement, ose. C'est sur moi que tu cries ainsi. Attendez, donc c'était planifié. Vous avez quelque chose? Oh! N'ose même pas me toucher. Reste loin de moi. Lève-toi de là. C'est quoi ça? Mais c'est pas ton problème. Non. Reste loin de lui, sister. Bien, retourne dans la maison de ton mari. C'est bien à toi que je parle, sœurette. Fais ce que je te dis, fais ce que je te dis. Que se passe-t-il? Bouge un peu, je vais t'aider. Vas-y. Je ne peux pas supporter ça. C'est à cause de toi tout ça, non? Je ne peux pas supporter ça. J'avais empoisonné mon mari parce que j'ai aimé non Koh-Lanta. Mais maintenant, j'ai besoin de me reposer. Qu'il me laisse me réjouir de ma vie. Il peut aller rejoindre son frère, peu importe là où il se trouve. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous me faites ça? Mais où est-ce que tu le fais entrer? Où est-ce que tu vas? Tu sais le problème, hein? Maman, tu vois... Grande sœur Thompson. Tu vois ta fille? Maman, regarde ta fille. Monsieur No Koh-Lanta, je veux récupérer ce terrain parce que c'est mon pauvre père qui me l'avait laissé. Mais pourquoi tu te gênes à ce sujet maintenant? C'était mon frère lui-même qui m'a donné ce terrain et m'a demandé de construire là-dessus. Parce que le terrain que mon père m'a donné se trouve au niveau des terres cultivables et personne n'habite là-bas. Et alors, en quoi est-ce que ça me concerne même? Laisse-moi te dire quelque chose. En tant que l'aîné et fils unique de mon père, je veux que tu ramasses toutes tes affaires et que tu partes de cette maison. Oh oui, parce que je ne peux continuer de permettre de harceler ma mère toutes les nuits. Attends, c'est ce qu'Obiageli t'a dit? Attends, Obiageli, de quoi s'agit-il au juste? C'est planifié ou quoi? Hein? Oh Guinée, qu'est-ce que c'est? Mais attends, c'est moi. Les enfants ont décidé. Ils ont dit que tu ne peux plus rester ici, alors va-t'en. Tu pars. Hein? À propos, pourquoi veux-tu rester ici pour prendre soin de ta famille? Hein? Dans la maison de mon mari, tu veux agrandir ta famille? Ah oui. Comment est-ce possible? En tout cas, ça s'est bien parlé. Hein? Mais je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Mon ami, ils ont dit que tu pars. Pars, va-t'en. Donc, c'est arrivé jusqu'à ce point. Obiageli, tu m'as trahi. Donc, tu ne veux pas que le nom de notre papa soit connu, hein? De mon vie, hein? Papa, Biko, tu n'es pas notre père. Point. Même toi, Mma. Oh, ma chère Mma. Ma fille Mma. Allez, c'est toi qui me traites de cette manière? Obiageli. Obiageli. Oh, tu ne veux rien dire. Qu'est-ce que je vais dire? Les enfants ont déjà tout dit. Ils ont dit que tu ne dois plus rester ici. Mais dis-moi, comment est-ce possible? Comment veux-tu rester dans la maison de leur père avec ta famille? Je suis étonné. C'est infaisable, hein? Ah, pardon, s'il te plaît. Les enfants ont déjà décidé. Alors tu ne dois qu'exécuter. Va-t'en, pars. Je vais faire semblant de croire que ça ne vient pas de vous. Je ne peux pas y croire. Tu vas quand même à la maison. C'est pour faire tes bagages, hein? Ok, c'est bon. Prends-les vite et va-t'en, hein. Et va-t'en d'ici.
David, j'ai appris la mort subite de Mazi Okoronta. Hein? C'était tragique. J'ai vraiment eu pitié de lui. Mais ce que les membres de ta famille lui ont fait était très mal. Oh. Laisse-moi te demander, comment l'as-tu trouvé? En toute franchise, si tu me demandes, j'ai condamné ce qu'ils lui ont fait. Ce qu'ils sont aujourd'hui est le fruit du labeur de Manzi. Je ne crois pas qu'ils aient quelqu'un d'autre. Et si je dois dire la vérité, sans faire preuve de favoritisme, je dirais que ce cas est un crime contre l'humanité. Chai. En toute franchise. C'est terrible. Que son âme repose en parfaite paix. Amen. As-tu par ailleurs appris des préparatifs concernant son enterrement? Non, mon cher. Selon la tradition, Mazi Okoronta, il ne peut pas avoir de funérailles dignes car il a commis une abomination tout en se suicidant. Sais-tu ce que ça implique? Ouais, ça c'est vrai, j'ai presque oublié. C'est ce que dit la tradition. C'est terrible. Mais c'était un bon monsieur. Que Dieu nous aide. Et la vie continue. David. Mon amour, oui, comment ça tu va. Et comment va mon bébé? Je suis contente de te revoir. Hey. Merci. Est-ce qu'il te dérange? Bienvenue, chérie. Ah, ta présence me fait toujours du bien, chérie. Comment ça a été ta journée? Je suis tellement fatiguée. Ah, désolée, chérie. Désolée. Dis-moi comment ça a été? Ma chérie, tout s'était bien passé, mais la nature était très ensoleillée. Ah, désolée. Je pense que je dois aller me reposer. Bébé. Je pense que nous devons faire une sortie. C'est tout ce que tu veux? Dis-le-moi. Où est-ce que tu veux aller? Bébé, dis-le seulement, n'importe où tu veux aller, rassure-toi que je t'emmènerai. Tu es sûre? Je veux juste te rendre heureuse. Ok. Grandis. Je vais t'y amener. Ok. Ouais, tu sais quoi? Quoi? Je suis fatiguée et épuisée. Ce que je dois faire, c'est d'aller me doucher, revenir et t'emmener à Grandis. Bien. Okay? Mais bien avant ça, ton dîner est servi. Je veux que tu manges avant notre sortie. T'as servi mon dîner? Tu veux dire mon plat préféré? Es-tu sérieuse? Oui, vraiment? Je connais bien. Ok. Laisse-moi les modifier d'abord. Okay, d'accord, bien. Bébé. Bienvenue une fois de plus. Chérie, je t'aime. Mon amour. Oui, chérie. Mon rayon solaire. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste rappelé de ces chants mémorables que tu as chantés pour moi. Quel chant? Juste un chant d'amour. Oh, bébé. Tu
Tu sais que j'ai beaucoup de chants d'amour. J'ai composé beaucoup de chants d'amour pour toi. Donc dis-moi juste le titre et je vais le chanter pour toi. Oh chérie, ce chant romantique que tu chantes, c'est lui qui commence par... Tu sais, avant que je ne chante un chant pour toi, je dois écouter le battement du cœur de mon fils. L'héritier apparent au trône. Tu as senti comment il bouge, hein? Il me fait de courant. Ah, bébé. Tu veux que je chante pour toi? Oui, chérie. De chanter ce chant pour toi, mon âme sœur. Merci, mon amour. Mon cœur. Tu vois, j'ai encore beaucoup de chants pour toi, mais je t'ai appris à chanter pour moi.
Peux-tu te souvenir des chants que je t'ai appris à chanter? Oui. Vas-tu chanter pour moi? Je vais chanter pour toi de l'autre côté. Oh, bébé. Vas-y. Mon amour. Mm-hmm. Je vais chanter pour toi. Oh. Tu sais, nous tenant sur ce table me rappelle le premier jour où je t'ai rencontré. Je me souviens de comment je t'ai chassé. Assistons, là, je n'étais pas encore enceinte. Maintenant, je suis enceinte. Maintenant, tu es enceinte. Ok, bien, je vais chanter. C'est mon tour maintenant. Très bien. Je vais chanter pour toi. Je suis à l'écoute. Je t'ai porté. Doucement, doucement. Mon dos, allez doucement, vas-y doucement. Ah, chérie. Chérie, allez, viens ici. Sois derrière moi. Laisse-moi passer la fleur sur ta peau. Arrête. Ça chatouille. Mon Dieu, aide-moi, mets les yeux s'il te plaît. Attends, attends un peu. Vas-y, doucement, doucement. Je suis fatiguée. Allô? Quel est le problème? Oh, c'est la voiture. Ça s'est arrêté déjà. Le moteur s'est arrêté? Donne-moi une minute.
T'as dit que le moteur s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Juste comme ça. Ok, toi tu vas monter, ok? Laisse-moi essayer voir. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le radiateur? Ok, il y en a. Ok, quoi encore? Ok, je vais vérifier la batterie. Il paraît que la batterie est en train d'être déchargée. Tu sais quoi? Il faut démarrer, voir. Ouais, ça va. Appuie sur l'accélérateur. C'est bon. Ça va maintenant. Waouh! Oh, merci beaucoup, je suis très contente. Ça va. Je m'appelle David. Je suis Tina. S'il te plaît, je peux avoir ta carte? Ouais, bien sûr. Oh. Voici ma carte. Tu peux m'appeler. Merci beaucoup. D'accord. De rien. Mon plaisir, Votre Majesté. À plus. Ma femme n'était jamais restée dehors jusqu'à 7 heures. Et son téléphone est éteint. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça commence par m'inquiéter déjà. Qu'est-ce qui aurait pu la retenir comme ça? Dois-je aller la chercher? Pourquoi serait-elle dehors jusqu'à cette heure? Oh, vraiment. Oh, Dieu. S'il te plaît, protège ma femme. Chérie. J'étais inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a retenu comme ça? Désolée, chérie. C'est le docteur. Le docteur m'a fait traîner. Le docteur, il avait eu tellement de temps. Non. Le docteur t'a retardé? C'est seulement, j'ai trouvé le docteur avec une autre femme qui était enceinte. Et son cas était compliqué. Alors, il devait d'abord finir avec elle avant de me consulter. Bébé, j'étais très inquiet pour toi. C'est malheureux que ce soit arrivé comme ça, mais tu aurais dû m'appeler. J'ai appelé ton numéro à maintes reprises, mais ton téléphone était éteint. Puisque le docteur prenait beaucoup de temps, je m'ennuyais et j'ai commencé à jouer au téléphone jusqu'à ce que la batterie se décharge. Désolée. Désolée. Maintenant que tu es revenu, devine quoi? Désolée-moi, juste chérie. J'ai préparé ton repas préféré. Oh mon Dieu! Tu blagues ou quoi? Non, ce que tu vas faire maintenant, c'est d'aller à l'intérieur, prendre ta douche et puis on prend le dîner. Mon amour, tu es tellement aimable. Qu'est-ce que je serais devenue sans toi? Tu es tout. Bébé, tu sais quoi? Je n'aurais jamais souhaité épouser un autre homme si ce n'est toi. Tu es mon âme sœur. Je t'aime également. De rien. Rouge à lèvres. Tu sais, avec toi, chaque jour est comme un jour férié. Bébé, tu dis que tu as fait pour moi mon repas favori. Regarde ton nez. Merci. Je t'aime beaucoup. Allons à l'intérieur. Ok. Mon bébé.
Laisse-moi te porter. Oui, vas-y doucement. Chérie, doucement. Salut bébé. Waouh, Tina. On s'est encore vu. Oui, on s'est encore vu. Oui, ça fait très longtemps. Ouais, ça fait longtemps vraiment. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Oh, je suis désolée. J'avais oublié, s'il te plaît. Pardonne-moi. Oh, ça va, ça va. T'es venue faire des courses? Oui, je fais les achats. Je pars déjà. Waouh, ça c'est bien. Où est ta voiture? Non, je suis pas venue avec ma voiture. J'avais pris le taxi. Je vois. Je vais être un gentleman. Je vais te déposer et revenir pour mes courses. C'est vrai? D'accord. Merci. Allons-y alors. Tu as l'air belle, comme d'habitude. Ouais. Je m'attendais impatiemment à ton appel, mais maintenant qu'on s'est encore vu, allons-y. Désolé. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Ah, quoi que ce soit. Ouais. Vas-y, parle. Boisson énergétique. Tu habites ici toute seule? Oui. Voici ton verre. Vas-y. Un toast. Chinchi. Santé. Vraiment. C'est bon. Ah, c'est vrai. C'est très bon. C'est comme c'est alcoolisé. Non. C'est juste une boisson énergétique. Ok. C'est bon. Bébé. Tu es là. Comment tu vas? Bébé, tu m'as beaucoup manqué. J'ai eu peur. Je suis fatiguée. Bébé, j'essaie de te joindre, mais je n'arrive pas à t'avoir au téléphone. Je m'inquiétais. J'ai cru que quelque chose de mal t'est arrivé. Tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé, j'étais attaqué par des voleurs armés. Comment ça? Au supermarché. Immédiatement après avoir fini de faire mes courses, lorsque je sortais, ils m'ont saisi et m'ont forcé dans leur voiture. Mon Dieu. Et ils m'ont emmené. Et au processus, ils ont pris ma carte magnétique. Ils m'ont forcé à leur donner mon code secret. Et ils ont retiré tout mon argent qui était sur Dieu. Mon compte. Chérie, c'était une expérience amère. Ils se sont vraiment occupés de moi. Hein? Oh mon Dieu, désolé. Désolé, chérie. C'est comme j'ai l'hémorragie interne. Je sens désolé. Beaucoup de douleur. Gloire à Dieu, au moins tu es vivant. Ils m'ont blessé. Bébé, j'ai... De ce côté? Ouais. Oh, désolé. Je pense que ça a affecté mon rein gauche. Ça va aller.
Désolée. Mais, chérie, où est ton véhicule? Ma voiture? Voiture. Ouais, tu vois, j'avais caché ma clé dans mon calipre. Ok. Et après tout le processus, j'étais retourné au supermarché et je l'ai conduit à la maison. Elle est garée à l'extérieur. Jésus. Mon amour. J'ai béni Dieu qui t'a sauvé de justesse pour moi. Mon amour, tu sais quoi? Quand tout ceci se passait, je ne faisais que penser non, à toi. Non, tu n'allais pas permettre que quelque chose de mal t'arrive. Il va bien. Chérie, que ferais-je sans toi? Oui. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Heureusement que Dieu était avec toi, chérie. Tu sais quoi? Fais un effort d'arriver jusqu'à la douche pour te laver. Et puis, je vais te trouver un truc à manger. Tu vas te sentir mieux. Mais chaud. Oui. Chérie, je pense qu'il me faut un bon massage. Ok, massage. Il est évident qu'avec ma condition, c'est difficile. Mais je vais faire un effort. Bébé. Désolée, chérie. Bébé, déshabille-moi. Un instant, j'arrive. Bonsoir, madame. Bonsoir. En quoi puis-je te dire? Est-ce la maison de monsieur David Ogechina? Oui, mais il n'est pas encore rentré. Lorsqu'il va rentrer, dites-lui que Tina, sa collègue du bureau, était passée le voir. S'il te plaît, tu vas lui donner cette lettre. Excuse-moi. Merci. Bébé, comment tu vas? Rio. Tu m'as beaucoup comment manqué. Comment va mon garçon? Attends, laisse-moi l'écouter moi-même. Oui, tu as entendu comment il est en train de bouger. Il dit qu'il t'a beaucoup manqué. Comment tu vas? Oui, ça va. Je me sens si fatigué. Attends, il y a une de tes collègues qui est passée te déposer ça. Ma collègue. Prends place, chérie. T'as dit ma collègue. Chérie, de quoi il s'agit? Bébé, parle-moi, non? Chérie, cette fille en question n'est pas ma collègue. Elle n'est pas ta collègue? Non. Et qui est-elle? Bien, c'est pas quelque chose qui devrait t'inquiéter. Je vais m'en occuper, ok? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes en sécurité. T'inquiète pas, ok? Bébé, tu sais que je suis là pour toi, ok? Nous sommes en sécurité. Allons à l'intérieur. Waouh, mon amiable femme. Chérie. Bébé. Je dois aller voir le docteur. J'ai très mal aux hanches.
J'ai très mal. Est-ce que tu te sens? Même jusqu'au dos, chérie, j'ai très mal. Je n'arrive même pas à m'élever. Le docteur? J'ai du mal à m'élever. Okay. Tiens, mon ange, s'il te plaît. Désolé. J'ai très mal. Non, pas très fort, s'il te plaît. Ok, je vais t'aider. J'ai très mal. Je dois aller voir le docteur. Allez, on y va doucement. Désolé. On y va doucement. Beaucoup de courage, sinon, ok. J'ai très mal. Allez, doucement. Courage, non. Ok. Attends. Veux-tu que je te porte? Non. Mon Dieu, j'ai très mal. Désolé. Désolé, hein? Désolé, ça va aller. Chérie, attends. Ouvre la porte. Attends. Autrement, je soulève la robe. Attends. Chérie, ce bébé me fait des courbes, en tout cas pas possible. Mon amour, je veux que tu sois courageuse. Très bientôt, tu vas descendre de cette montagne. C'est un grand homme que tu portes comme ça. Le bébé est très têtu, juste comme toi. Qui est-ce? Tina, ton amour. Tu as oublié mon numéro? Parle, j'écoute. As-tu reçu l'enveloppe que je t'avais laissée? Je suis à l'écoute. J'espère que tu es déjà en train de préparer ce que je t'ai demandé. S'il te plaît, fais-le au plus tard demain matin. Sinon, je te jure, Monsieur David, ta femme sera au courant de toute la situation. Tu dois utiliser ta sagesse. Continue, je t'écoute. J'espère que tu es une grande personne. Tu dois aussi regarder la part de ton travail. Je sais que dans presque 2 semaines, il y aura des nominations dans ton boulot. Alors ne cherche pas à perdre ton boulot. Où puis-je te trouver, Monsieur Michel? Tu peux me voir au Night Club du Grand Boulevard. Ok, je serai là. Merci beaucoup. Chérie, j'espère que tu ne pars pas pour me laisser seule ici. Non, bébé. Ce n'est juste qu'un appel du bureau. Mais je suis toujours avec toi, ok? Tu sais que je ne peux pas t'abandonner. Ok. Maintenant, je vais voir si je peux encore te tirer les orteils. Allez, vas-y doucement. Ça fait mal. Okay. Ouais. Bonjour, monsieur. Ouais. Êtes-vous monsieur David Obiechma? Ouais, c'est mon nom. Ok, ça c'est pour vous. Un colis pour moi? Signez ici, s'il vous plaît.
Jésus. Allô? Tina. Excuse-moi. Bébé. Chérie, qui est cette fille? Viens, chérie. Réponds à ma question. Qui est cette fille? C'est une simple connaissance, ok? Ah. T'inquiète, je te parlerai d'elle après. C'est une simple connaissance. Allons à l'intérieur. David, tu commences maintenant à voir ailleurs. Bien, il n'y a pas de problème. Puisque tu ne veux pas me dire qui est cette fille, je vais faire mes recherches personnellement à son sujet. Je saurai certainement qui elle est. Et quand j'aurai fini avec mes recherches, je te reviendrai pour un feedback. Laisse-moi accoucher de mon bébé dans le calme. Tu veux me tenter, n'est-ce pas? N'ose pas me toucher. Mon Dieu, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oh mon Dieu, ay, Seigneur. Mes anciens, une fois de plus, bienvenue dans la maison de mon père. De rien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici,
Mais avant, vous ne procédiez à quoi que ce soit. Laissez-moi rapidement aller à l'intérieur, vous chercher quelque chose à boire. Non, reviens. Attends, reviens. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi. Oublie ça. C'est d'accord. Mais j'espère que tout va bien. Notre fils. Onoo. Jean-Paul. Notre dernier roi, éléphant premier, est mort et enterré depuis 2 ans. Depuis lors, notre communauté est restée sans roi parce qu'il n'a pas d'héritier au trône. Après plusieurs réunions et des consultations de nos oracles, des grottes et des collines, le choix est tombé sur la famille de Obiotina. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Tu es le fils de ton père, le seul fils vivant de votre famille. Alors, étant donné que tu es le seul fils vivant, c'est pourquoi nous sommes venus discuter avec toi de ton intérêt à être le prochain roi de notre terre. Mes anciens, une fois de plus, bienvenue. Mais vous savez, des problèmes comme ceux-ci, on devrait y réfléchir à 2 fois. C'est quelque chose sur laquelle je dois réfléchir. Mais puisque vous aviez dit que c'était un cas d'urgence, je n'ai vraiment pas d'autre choix que d'accepter la responsabilité de prendre en charge notre communauté. Une fois de plus, bienvenue. Tu es un vrai fils de notre royaume. Merci beaucoup, mes anciens. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus. Et je t'encourage pour ça, mon fils. Merci infiniment. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, aller trouver quelque chose. Relax. Peut-être à la prochaine fois. C'est d'accord, alors. D'accord. Peut-être un de ces jours, je serai vraiment préparé pour vous accueillir, en tout cas. Voilà. Exact. Exact. En tout cas, je suis très content de vous accueillir ici. Maman, le message venant des anciens était que moi, ton fils, j'ai été choisi pour être le prochain roi du royaume. Toi! Hey, oh mon Dieu! C'est ça même, maman. Dieu, je te remercie, oh! Hey! Maman, une seconde. Hey! Mon fils! C'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc c'est pour bientôt. Mon fils à moi. Oh, bien sûr. Mon ventre a fait sortir un roi. Igwe. Hey! Mon fils adoré. Maman, toi, tu connais. Hein? Mon tu fils connais, va devenir tu le roi. Te cacher, hey, toi. Mon Dieu, c'est pas vrai. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Puisque je suis maintenant le roi choisi, je vais mettre à découvert les noms de ces anciens qui étaient mes ennemis comme Mazi Okoyu Kando, Okeke, ainsi que tous ceux qui étaient mes ennemis. Je vais supprimer tout leur terrain. Je sais ça, mon fils. Vas-y doucement. Maman, mais comment aller doucement encore? Les grands éléphants. Ça, c'est moi. Mon fils adoré. Oh oui, c'est moi. Les grands. Oh maman. Le prochain roi. Maman, tu veux me faire pleurer. Hein? Arrête ça. C'est mon moi. Héros. C'est moi. Mon guerrier. Sérieusement, vraiment. David, mon cher. David, sais-tu ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles la semaine dernière, je t'avais dit que je voyageais. J'ai vu Jean-Paul. Jean-Paul m'a personnellement invité à la cérémonie de son couronnement. J'ai appris que Jean-Paul est maintenant le roi élu du royaume de Molucci. C'est une très bonne nouvelle. Il est chanceux. Ce mot ne cessera de nous surprendre. Le Jean-Paul d'hier. Le roi du royaume d'Umonechi. Mon ami, les dieux sont sages. Oh. Je ne sais pas du tout quoi dire, mec. Longue vie à nous. Écoute, c'est très compliqué, hein. Être riche dans la vie est une très bonne chose. Seigneur qui est comme toi.
Mais qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Qui est cet idiot qui a raconté ces bobards? Bon après-midi, maman Jean-Paul. Comment ça, maman Jean-Paul? Hein? Ne sais-tu donc pas que mon fils est le prochain roi de ce royaume? Tu le sais donc pas? Tu dois commencer à gifler les gens de la sorte parce que ton fils sera le prochain roi. Ça veut dire que lorsqu'il sera roi, toute la communauté va commencer ça à... Ça m'est complètement égal. Hein? La prochaine fois que tu te mettras debout en me saluant, hein, tu sauras. À chaque fois que tu me verras, tu dois t'agenouiller pour me saluer. Tu m'as écouté? Sinon, je vais très bien m'occuper de toi, espèce d'idiote. Voyez-moi celle-là. Tu ne sais donc pas comment saluer la reine-mère? Bonjour, maman Jean-Paul. Stupide fille. C'est du n'importe quoi, ça. Viens-tu te parler? As-tu dit quelque chose? Hein? Écoute, Ketchy. Je retiens ton visage. Tu seras la première personne que mon fils va démolir quand il va commencer des démolitions. Avec une femme comme toi dans cette communauté, nous allons se... Bien, c'est comme je le disais, Ketchy. Tu seras parmi les gens que mon fils va démolir. Quand mon fils va démolir cette maison, et celle-ci, et d'autres maisons, tu seras la prochaine personne. Stupide femme. Tu as les kilos de me parler, tout en restant debout. Hey! La bourgeoisie. Hein? Je pense qu'on doit procéder aux choses sérieuses. Itiano, apporte-moi les noix de cola. Les voici. Procédons au rituel sans plus attendre. Voilà. Que nos dieux nous assistent. Il sait. Hein? Nos ancêtres disent que l'enfant qui obéit à ses parents aura toujours leur bénédiction. Notre fils. Oh non. Voilà. Je te salue. Jean-Paul Ngwa. Oh non. Agenea. Viens devant. Viens te mettre à genoux. Ah. Mets-toi à genoux. Odogwankem. Voilà. Hey.
Hey, que la protection des ancêtres t'accompagne. Voilà. Osugo Koya. Hein? Oasi? Par les pouvoirs qui me sont conférés. En tant que le Honou du royaume de Moriki, je te couronne. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Je te couronne. Les dix sont justes. Honou, enfile le bien. Je. En tant que le Honou de ce grand royaume, je te couronne. Honou, t'en fais pas, je vais mettre cette couronne, je vais la mettre moi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que veut dire tout ceci, hein? On doit régler ça au plus vite. Hey! Qu'est-ce qui se mais, passe? Mais Honou, dis-moi, tout ça, qu'est-ce bien. Qui se passe? Achève maman, la cérémonie. Mais, je ne comprends vraiment rien, là. On doit aller reconsulter les oracles. Mais qu'est-ce que tu racontes, oui, là? Oui, nous devons aller. Mets-moi cette couronne sur ma tête. Honou, mais vous ne voyez pas ce qui se passe ici? Maman, quelque chose ne nous tombe pas. On va le faire. Mes anciens. Nous sommes obligés d'aller voir l'oracle encore. Nous devons revisiter les oracles. Ça n'a pas. Nous sommes obligés. Non, ça ne sera pas nécessaire. Allez-y, remettez-moi ça sur la tête. À quoi? Ce n'est pas possible. Allons-y. On doit y aller. Honou. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec cette couronne, non? Mère. Oui, mon fils. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Un homme était venu dans mon bureau aujourd'hui et il s'est présenté comme étant Obidike Okonkwo. Je connais son fils, Harry, depuis l'école primaire. Il venait de temps en temps pour me visiter, si tu peux te souvenir. Leur famille et ta famille partagent la même terre. Alors vous êtes tous les deux de frères. Quelquefois, je n'aime pas écouter parler de mes parents paternels. Franchement parlant, et tu le sais, si ce n'était pas mon grand-père, je veux dire ton père, qui a pris la responsabilité et a tout fait pour nous, quelque chose de terrible nous serait arrivé. Et je ne sais pas où je serais maintenant. Sais-tu que quand mon père était venu à l'école pour payer mes frais scolaires, il m'a fait beaucoup de promesses. Et deux semaines après, c'était la nouvelle de sa mort qui nous est parvenue. Mon fils. Tout ça m'est toujours incroyable. Mon fils. Les hommes sont des méchants. Ils sont très méchants. Tu dois vraiment être prudent. Je t'en supplie. Tu dois vraiment être prudent, mon fils, s'il te plaît. Crois en Dieu. Je t'en prie. Bienvenue, mes anciens. Merci, fils. Merci. Juste comme la tradition le demande, oui. J'aimerais vous accueillir en vous offrant de la cola d'abord. Tu es vraiment le fils de cette terre. Ok, moi. Merci beaucoup. Odogu. De rien. Merci beaucoup. Ifedima. Oui, monsieur. Mais voici. Ouais, tu vois que j'ai des visiteurs, donc apporte-moi de la cola. Oui, monsieur. Je pense que tout le monde va bien. Ouais, elle se porte très bien. Tout le monde va bien. Et ta mère aussi? Ouais, bien sûr. Non. Servez-vous. Mes anciens. La cola est là. Bien fait, mon fils.
celui qui apporte le cola doit avoir l'honneur de le briser. Alors vas-y et brise-le pour nous. En tout cas, vas-y, car c'est à toi l'honneur. Manizioku. Akade. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment ça. Juste comme la tradition le demande, Odilo no, Okoebo aussi. C'est ça. Exact. Quand la cola arrive à la maison, ouais. Elle explique là d'où elle vient. Exactement. À Omazigo, vous avez l'honneur de prendre la cola. Olum sinamu, no lo yelo. Olum sinanyenye. Even not obamaka. C'est tout un honneur. Pas seulement toi, mais je prendrai aussi un autre cola comme ça et rentrer avec l'honneur doit être partagé. Justement, je vais les prendre. Ouais, comme cela, c'est toi. Ne vous en faites pas. Oui, c'est ça. Je suis très content de votre visite. Merci beaucoup. Non, ça va. Yo. Ici. Ouais. Maintenant, c'est la première fois que vous êtes venu dans ma maison. Ma prière est que ce qui vous a amené chez moi soit une bonne nouvelle. Ifakoene, donc tu es en ville, mais tu pratiques la tradition de notre village, hein? Ah, c'est très bien. Notre fils, nous te remercions pour ta chaleureuse hospitalité. C'est mon plaisir. Vous êtes la bienvenue. Cela fait très longtemps que nous te cherchions dans le village de ton grand-père. Là où toi et ta mère vous résidez depuis très longtemps.
S'il vous plaît, dites-moi. Tout va bien? Il n'y a aucun problème, juste calme-toi. La paix règne au village. Mais le problème est que, après une réunion très sérieuse du conseil des anciens du cabinet, de notre grand village, Umunuchi, le conseil, en effet le conseil des anciens, nous a mandaté pour qu'on vienne te rendre visite et de t'inviter également à une réunion du conseil des anciens. Et plus précisément, le conseil nous a demandé de t'inviter dans 4 jours du marché à une réunion très importante qui concerne notre communauté. Oui. Mes anciens, je vous demande encore, y a-t-il un problème? En effet, tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Quand tu viendras, le conseil des anciens te dira exactement pourquoi tu es invité. Il n'y a rien à craindre, mon fils, ok? Et tu dois savoir que tu es un grand fils de cette communauté. Il ne faut pas avoir peur, ok? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Quand tu viendras, alors, il faut que nous partions maintenant. Oui. Maman. Mon fils, bienvenue. Merci, maman. Comment va ma belle-fille et mon petit-fils? Ils vont mieux plus que moi. Je t'ai déjà dit autant de fois qu'avant de venir au village, tu dois d'abord m'avertir. Pourquoi tu es venu encore comme ça? Maman, ne va pas là-bas. J'étais supposé venir avec eux cette fois-ci. Mais malheureusement, les vacances étaient terminées. C'est cette semaine qu'ils ont commencé la rentrée. Mais t'inquiète, la prochaine fois, tu es leur grand-mère, ils viendront certainement te visiter. Donc, il n'y a pas de problème. Ou bien, tu t'inquiètes pour ça? Il n'y a pas de problème. Ah, maman. Bienvenue, mon fils. Ça va. Voici ce que ma femme t'a envoyé. Ma belle-fille. Ma belle-fille est vraiment spéciale. Je lui ai déjà interdit de m'acheter des histoires qui sont très coûteuses. Ce qu'elle m'avait déjà acheté, je n'ai même pas encore fini de les utiliser. Je l'ai encore ici avec moi à la maison. Pourquoi encore t'elle fait ça? Maman, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Tu mérites ça, tu mérites même plus. Je remercie Dieu pour ma femme parce qu'elle se souvient de toi tout le temps. Si elle avait l'occasion, elle ferait tout pour toi. Elle m'a même demandé quand tu viendrais en ville. Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Maman, laisse ces choses de côté. J'aimerais qu'on discute quelque chose de très important. J'espère qu'il n'y a pas de problème. C'est que Odenze et Omaliko, le chef suprême, m'ont visité tous deux en ville il y a quelques jours. Et c'était la première fois qu'ils me visitaient. Leur visite s'est très bien passée. Ils m'ont dit qu'ils étaient envoyés par le conseil des chefs. Ils avaient été demandés de m'informer que le conseil des chefs voudrait me voir au village dans les 4 jours de marché. Connais-tu la raison de leur réunion? Maman, je n'en ai aucune idée, mais j'ai contacté Nemeka. Tu sais que c'est lui qui joue le rôle de médiateur entre ma famille, ma maison et moi-même. Donc je lui ai demandé s'il avait une idée par rapport à leur visite. Il a dit que ça concernait la royauté. Le conseil des anciens délibère sur la royauté. Mais il voulait que je garde ça secret. Les conseils des anciens? C'est-à-dire? Maman, tu sais, la royauté de notre village tombe sur la famille Obechina. La famille Obechina, notre famille, est la suivante à recevoir la couronne après la mort de notre feu roi. Et alors ton grand frère Jean-Paul,
Ah, sa méchante mère va tout faire pour que ça soit en leur faveur. Maman, les dieux sont sages. Tu n'as pas du tout besoin de commencer à t'inquiéter au sujet de ça. Je veux juste t'informer de leur visite. Quand je les vois demain, je te dirai ce qui en sera sorti. Il n'y a pas de problème. Maman. Ah, mon fils. Maman. Que les dieux de nos ancêtres t'accompagnent. Amen. Vas-y. Notre fils, Obietuna David, ça fait longtemps maintenant que le roi est mort. Et la semence a été protégée depuis lors. Nous étions allés consulter les oracles des grottes et des montagnes. Et on nous a dit que le mentor du leadership était tombé sur la famille de Obietuna. Omaliku, à toi la parole. Ouais, tu as bien parlé. Notre fils, David, je te salue. Nous te remercions d'avoir honoré notre invitation. Nous nous sommes adressés par erreur à la famille Obietuna, en croyant que Jean-Paul, ton demi-frère, était le seul garçon dans votre famille. Quand nous voulons l'installer comme roi de notre ville. Les oracles l'ont rejeté durant le couronnement. Nous avons consulté à nouveau les oracles et les oracles nous ont fait savoir que Jean-Paul, ton frère, a un grand frère. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus chez toi. Parce que le choix du leader tombe toujours sur votre famille. Si tu accepteras d'être notre roi, et durant le couronnement, si les oracles t'ont accepté, tu seras notre roi. C'est la raison qui nous a amenés ici. Nous te remercions. Je pense que j'ai dit ce que vous pensiez, mes aînés. Merci beaucoup, les anciens de ce grand royaume. Je t'en prie. De rien, notre fils. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, pour sa compétence et pour sa sagesse sur vous, les anciens de ce grand royaume. Et c'est... J'aimerais vous remercier, les anciens de ce grand royaume, pour votre sagesse et pour avoir choisi de faire ce qui est juste en faisant le bon pas. Et c'est... Et pour répondre à votre question, ouais, si le manteau du leadership tombe sur moi pour être le roi de ce grand royaume, je veux dire à vous tous que moi, David Obietuna, j'accepterai volontiers de servir mon peuple avec toute mon énergie, avec toute ma sagesse et avec toute ma richesse. Je vous remercie. Notre fils, nous sommes très contents que vous ayez accepté d'être notre roi. Nous allons envoyer le message auprès de notre peuple. Long règne au royaume de Monitché. Longue vie à notre futur roi. Issé! Bienvenue à vous, mon roi. Merci beaucoup. Maman, je n'accepterai pas que David puisse devenir le nouveau roi. Ah. Quel roi? Je me demande vraiment pourquoi tu l'appelles roi. Il n'est pas mon roi. Un étranger deviendra mon roi sûrement quand je serai morte. Pas dans cette vie. Moi, en tout cas, maman, je n'accepterai pas. Je ne veux pas te prendre comme moi ça. Moi aussi, je ne veux pas l'accepter. Ok. Oui. Qui peut accepter de telles bêtises? Dis-moi, qui? C'est impossible. Tu avais entendu les anciens dire que j'étais le roi choisi. C'est ça, mon fils. Ok. C'est du vol. Je vais les punir. Ils iront tous en enfer. Bah,
Non, l'oracle t'a volé. Il a dérobé ce qui t'appartenait. L'oracle t'a escroqué. C'est pas juste. Vous voulez du spartan? Non. Vous voulez du lien? Non. Vous voulez du noir? Non. Aujourd'hui est un très grand jour. Un jour spécial, réservé, sur la terre de Ndounchi. En quoi bien? Notre roi, éléphant premier, est décédé. Et il a été enterré. Aujourd'hui, nous allons couronner notre nouveau roi, qui se nomme David Obiechina. Oui, c'est bien lui. Obiedi, notre oracle des grottes et des collines l'a désigné pour diriger ce royaume. Mais avant la cérémonie, servons d'abord les noix de cola et la boisson à nos ancêtres pour demander leur aide, afin que cette cérémonie soit une réussite. Nous sommes ici pour couronner éléphant second de ce grand royaume de Ndounchi. Hey! C'est toi aussi que ça, c'est vrai. On a tout pas, c'est pas vrai. C'est pas aussi que ça. Ah, c'est là, c'est pas vrai. Afin qu'il soit couronné. Thank you.
David, notre fils, viens te voir. Viens par ici. Agenouille-toi. Hein? Ouais. Obwadi, tiens ça pour moi. Obwanyonjo. Oh non. Amène-moi les symboles de couronnement des rois. Oh non. Ouais. Oh non. Niebele baiser. Voilà. Oh non. Il y a caca. 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 Il y a sont conférés. Je suis ici pour te couronner. Selon notre tradition. Socle du royaume de Monichi. David Obiechina.
le roi et les fantômes. Second. Je mets à ta charge, à partir d'aujourd'hui, le sceptre du trône du royaume d'Umunichi. Lève-toi. Tu régneras en paix. Va m'apporter les autres objets. Notre Lolo, les autres symboles. Viens devant. Lolo, viens devant. Sur tes genoux. Doué Dubaisé, aujourd'hui, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, je te donne le titre de Lolo Odubeze. Aujourd'hui, tu as été distingué des autres femmes. Oh, bien dans sûr. Tout le royaume. Ça, c'est bien dit en tout cas. Aujourd'hui, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, je te couronne reine Odubeze du royaume de Munichi. Voici ton sceptre de reine. Akunko, Akunko, Akunko. Lève-toi. L'éléphant, le second du royaume de Munichi. C'est moi. Je te salue. Oh non. Tu dirigeras cette communauté dans la paix. Oh non. Avec la force, avec la justice et l'équité, tu régneras. Lolo Budeze, que tu règnes avec l'amour, la paix et l'unité. Et c'est... Ton règne sera grand. Et c'est... Que la paix soit avec le royaume de Munichi. Et c'est... Long règne au royaume de Munichi. Longue vie à notre nouveau roi. Et c'est... L'éléphant, second de Munichi. Longue vie à notre roi. Invitons notre roi à danser notre danse traditionnelle. Ok. Oh bien. Ok, c'est mieux. Merci. Oh non, où? Oh non, où est Lady? Oh non, où est Kalaka? Oh non, jamais. Come on, I'll go with you today.
Sa puce et de laisser derrière nous tout ce qu'il y a eu dans le passé, mais ne voulez pas m'écouter, hein? Odjuradju, ma soeur, je ne sais pas quoi faire. Oh, je ne sais pas, tu connais très bien maman, non? Je suis fatiguée de me battre, je suis fatiguée de tout. En tout cas, que la volonté de maman soit faite, parce que moi vraiment je n'en peux plus. C'est très compliqué. Je suis fatiguée de tout. Franchement, ma sœur, je n'en peux plus. J'en ai marre. Non. Oh, je prie Dieu qu'il nous vienne en aide. Longue vie à vous, ma reine. Okay, salut. Eh oui, les dieux nous aident, ça se passe bien. Ok. On aura vraiment tout vu dans ce monde. Attendez, voyez-moi cette petite fille. Hey! Tout ça parce qu'elle est la reine. Donc, cela veut dire que si je ne m'étais pas approchée d'elle, elle n'allait pas me saluer. Ah. Ah. Ok. Pas de problème. Attendez.
Donc, elle est enceinte. Donc, cela veut dire que sa mère avait raison. Elle m'avait dit qu'elle était enceinte. Bien. Ça sera ou soit tu mourras avec cette grossesse, ou soit tu perdras ces bébés. On va voir. Igwe. L'éléphant second du royaume d'Umunichi. Je te salue. Cet homme assis ici, Kamuala et sa famille. Il a été attrapé en mangeant et en dansant avec les gens d'Ozuka. Et notre loi stipulait que de telles personnes devaient être bannies de ce royaume et aller vivre avec les étrangers d'Otuka, dans leur lieu isolé. C'est pourquoi nous sommes ici. Igwe. Les anciens du conseil. Igwe. J'ai juré de servir mon peuple conformément à la tradition de nos ancêtres. Garde. Mon roi. Va m'apporter du poivre d'alligator. Oui, mon roi. Les anciens du conseil. Igwe. Je voudrais que vous sachiez tous que c'est mon désir et mon intention de m'assurer que dans toutes mes décisions, ici dans le palais, il y a la justice et l'équité. Dans mon service à mon peuple, je ne... Dans mon service mon à roi. Mon peuple, je ne ferai rien dans la crainte et dans le favoritisme. Les anciens du conseil. Igwe. Voici le poivre d'alligator. Ça joue un rôle capital dans la tradition de nos ancêtres. Ici. Mes anciens du conseil. Igwe. Là, il y a 4 grains de Guinée. Ces 4 grains de Guinée signifient les 4 jours de marché de la semaine. Eke, Oye, Afo, Nko, et aussi, ces 4 grains de Guinée signifient également les 4 communautés de ce royaume qui sont dûment représentées ici. Igwe. Et maintenant, je vous demande ceci. Si quelqu'un d'entre vous sait qu'il n'a jamais communiqué, dîné ou pris du vin avec le peuple d'Osuka de ce royaume,
je lui demande dans toute honnêteté, devant les dieux de nos ancêtres et devant ce palais royal, de prendre ici un grain de Guinée et le mâcher pour prouver son innocence. Les anciens du conseil. Igwe. Je crois que nous sommes tous coupables de ce même crime. Anciens du conseil. Igwe. J'ai fait mes recherches concernant le peuple d'État de Souka de cette communauté. Et j'ai découvert que l'histoire de ce peuple de Souka date du temps immémorial depuis la période de nos ancêtres. C'était dans mes recherches que j'ai découvert que c'est ce peuple d'État de Souka qui a commis un ou deux crimes dans ce royaume. Selon mes recherches, je suis arrivé à comprendre que le peuple d'État de Souka, de ce royaume, c'est ce peuple qui a commis des crimes qui sont punissables, mais ils se sont voués à une déité, notre sanctuaire pour la protection. Et la déité les a protégés contre le mal d'autres citoyens. Et à cause de ça, le roi de l'époque, l'éléphant du royaume de Mouloutchi, décida de promulguer une loi pour les bannir et les excommunier des autres membres de ce royaume. Les anciens du conseil, Igwe, basés sur mes recherches, basés sur mes décisions, basés sur mes rapports concernant le peuple d'État de Souka de ce royaume, je suis arrivé à une conclusion finale et à une décision. Parce que ces lois promulguées sont barbares et répugnantes à la nature de la justice, l'équité et la droiture. En tant que l'éléphant du royaume de Mouloutchi, par la présente, abolit ces lois à cause de leur caractère répugnant à la justice humaine. Elles sont désormais abolies et n'ont plus force de loi dans ce royaume. Tel est mon jugement. Igwe. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.